Montelle-et-Piedad. Cet immeuble, entouré par une promenade arborée et une grille de fer, fut depuis 1909 le siège du Montelle-et-Piedad d'Alcoy, embryon de ce que nous connaissons aujourd'hui comme Caja de Ahorros del Mediterráneo. Son architecte, Vicente Pascual, conçut un édifice de style moderniste. Son intérieur est présidé par un grand hall d'entrée qui exhibe deux grandes toiles de Francisco Laporta de thématique hystérico-religieuse et un très bel escalier, large et doté d'une vitrine sur le palier du premier étage. L'immeuble a été conçu pour être utilisé à des fins culturelles.